Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans. Et pourtant, 80% pourraient être évités. Les accidents de la vie courante font chaque année plus de 20 000 morts. C'est 4 fois plus que des accidents de la route. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables, d'où la mise en place d'opérations de sensibilisation. Thierry Will et Bruno Pensauville. Bilou le casse-cou, une création d'Olivier. À 32 ans, ce jeune homme est policier, pompier volontaire et formateur secouriste. Autant dire, un pro de la sécurité. Appelé pour des formations dans des écoles, il se rend compte que les outils adaptés aux jeunes enfants sont rares. Il trouve alors de l'aide du côté de sa fille. C'est le début de l'aventure de Bilou le casse-cou. Initialement, c'était le doudou de ma petite. Et du coup, je lui ai emprunté pour aller faire des initiations dans les écoles. Ma maman l'a un petit peu customisé pour qu'on puisse l'utiliser vraiment comme outil pédagogique. Aujourd'hui, 2 ans après sa première intervention, Olivier a créé un ensemble complet d'outils de formation adaptés aux jeunes enfants. Bilou, tu as des taches sur la peau. Le truc à ne pas faire. Se tromper sur les symptômes. Bilou, ne rougis pas, non. Laisse parler tes émotions, laisse-toi submerger. Qu'est-ce que tu racontes? Ce soir, notre relation prend un nouveau virage. Mon qui? Alors on va y retrouver le projet pédagogique, différents outils, donc que ce soit la peluche, des visuels, des vidéos, qui sont au nombre de 12, délivrés pour que les enfants puissent, en rentrant à la maison, faire une chasse au risque avec les parents sur le trajet de l'école à la maison. Délivré également pour que les enfants soient vecteurs d'un message auprès des parents en rentrant avec des fiches prévention et des fiches action à l'intérieur. L'ensemble est disponible gratuitement sur Internet. Une formation pour toute la famille donc. Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité pour les enfants de 1 à 4 ans.